Fils et filles du bon Dieu, Bodo Samba de grâce et de bénédiction tout à chacun de vous pour ce mercredi de la semaine sainte, année liturgique. B. Dieu a partagé notre souffrance. Dieu est en solidarité avec nous, fils et filles du bon Dieu. La question de la souffrance, si scandaleuse soit-elle, est désormais portée par Dieu lui-même. Oui, qui l'a expérimentée en son fils. Souffrance physique, du supplice, souffrance morale devant l'abandon des siens. Désormais, Dieu est de notre côté. Dieu est du côté de la souffrance. Dieu est du côté de celui qui est persécuté. Dieu est du côté de celui qui vit des situations difficiles. Oui, face à elle, sa solidarité avec nous dans la détresse nous aide à donner un sens à notre souffrance, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Isaïe, le chapitre 50, verset 4 à 9a, le serviteur souffre. Le troisième chant du serviteur est déjà au diapason de celui qui sera lu le vendredi saint. Le texte nous dit « Dieu m'a abandonné, m'a donné autant pour moi le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache en mon tour reconforter celui qui n'en peut plus. » Oui, savoir réconforter. Fils et filles du bon Dieu, c'est notre mission, réconforter les autres, ceux qui sont complètement perdus, paumés, ceux qui sont dans des difficultés. Réconforter les autres. Oui, pour cela, être pauvre soi-même, se laisser instruire, se laisser réconforter par Dieu pour être capable de réconforter à son tour, savoir ce que c'est que le découragement, l'épreuve. Oui, Jésus ayant été éprouvé, peut aider, fils et filles du bon Dieu, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont paumés, ceux qui sont dépassés par la vie, qui se disent maintenant, je suis complètement perdu. Mais Jésus peut te dire, fils et filles du bon Dieu, en ce jour, ma prière se fait plus ardente pour ceux qui n'en peuvent plus. Je prie pour toutes ces personnes-là qui vivent des situations difficiles, les mal nourris, les mal logés, les mal aimés, les maltraités. Je prie pour ces personnes innombrables, pauvres, qui vivent des situations difficiles. Je prie pour les orphelins, les veuves et les veufs. Je prie pour le monde négligé, abandonné. Le texte nous dit, et moi, je ne suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Tant de rapprochement avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur a souffert pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour chacun de nous, pour que par lui nous puissions avoir la vie en abondance. Oui, le Seigneur, à chaque instant, dans le quotidien de notre vie, il vient à notre secours. C'est pourquoi lui qui a donné sa vie, c'est pour que chacun de nous, nous puissions être debout. C'est le Seigneur qui prend notre défense. Oui, le thème d'humiliation est lié au thème exaltation. Oui. Oui, parce que celui qui est humble, c'est celui-là qui reçoit la grâce de la bénédiction. C'est celui-là que le Seigneur regarde, fils et filles du bon Dieu. Jésus savait que sa mort serait une victoire, comme quoi chacun de nous humilié, mais Dieu relèvera chacun de nous. On peut penser que Jésus a puisé dans ses textes qu'il connaissait un réconfort et une certitude. La résurrection est déjà présente à la croix, fils et filles du bon Dieu. La restauration est présente par ta persécution. La restauration est présente par ta situation d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Prends cette situation, emmène vers le chemin de la croix, afin que toi également, tu puisses recevoir des grâces en abondance, les grâces de la résurrection dans le quotidien de ta vie, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 26, verset 14 à 25. Nous allons méditer aujourd'hui la même scène qu'hier, racontée cette fois par Matthieu. L'essentiel est commun aux deux narrations, mais Matthieu met en relief des significations différentes et celles que Jean avait notées. Nous voyons ici Judas prendre l'initiative. Mystère de la liberté et de la culpabilité humaine. Les évangélistes se souviennent tous que Judas était avide d'argent. Parce que lorsqu'on cherche l'argent à
tous les prix, fils et filles du bon Dieu, on va vers sa destruction. Comme Judas. C'est l'explication immédiate qu'il donne au geste apparent de leur ancien collègue. L'argent. L'argent appelle l'argent. L'argent détruit. L'argent divise, fils et filles du bon Dieu. Comme on voit encore dans notre monde aujourd'hui. Et Judas fait son coup dans le noir. On dit que c'était la nuit. Comme quoi, parfois la nuit, il y en a qui dorment, mais d'autres font autre chose. Il y en a certains qui sont en vampire pour aller faire du mal aux autres, qui sont en sorcellerie pour aller faire du mal aux autres. La nuit noire, fils et filles du bon Dieu. Mais le Seigneur veut envoyer chacun de nous, nous qui vivons ces nuits difficiles dans le quotidien de notre vie, nous emmener vers l'éclairage de la résurrection, vers la lumière de la résurrection. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus fait un geste de communionnel, un geste communionnel, j'allais dire, pour un Hébreu. Tendre le plat à quelqu'un, c'est faire un geste symbolique d'amitié. Oui, le texte nous dit, le soir venu, il se mit à table avec les douze disciples. Se mettre à table avec quelqu'un, ça veut dire on aime quelqu'un, on aime les autres. L'un de vous va me livrer. Oui, profondément attristé. Ils se mirent à se dire l'un après l'autre, serait-ce moi Seigneur? Le refus de l'engagement. Et c'est cela que se traduit dans notre vie. Ah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ceci. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, fils et fille du bon Dieu. Examine ton cœur. Oui, il répondit, celui qui vient de plonger la main avec moi dans le plat. Fils et fille du bon Dieu, le Seigneur connaît chacun de nous. On pourrait dire du côté de Jésus, il n'y a aucune condamnation, mais l'offre d'une amitié. Parce que le Seigneur aime chacun de nous malgré notre état de péché. Malgré notre péché de tous les jours, les péchés de tous les jours. Ici, c'est Judas seul qui s'est condamné en refusant la tentative de son ami. Jésus, d'ailleurs, était suffisamment habitué à manger avec les pécheurs. Oui, comme on le lui a reproché souvent ce soir-là, pas plus que les autres, des autres fois, il n'a repoussé un pécheur. C'est Judas. Il s'est séparé de lui, fils et fille du bon Dieu. Lorsque nous ne regardons plus le Seigneur, fils et fille du bon Dieu, nous sommes complètement séparés de lui. C'est en regardant le Seigneur que nous pouvons recevoir ses grâces en abondance. J'étais en train de lire un message où deux âmes étaient en train de parler. En disant que mais à l'époque, lorsque Jésus était sur moi, lorsqu'on va paix vers Jérusalem, tout le monde criait Hosanna et j'étais content. Et l'autre âne va dire, mais écoute, aujourd'hui, Jésus n'est plus avec nous, personne ne nous regarde. Comme quoi, sans Jésus, personne ne pourra regarder chacun de nous, fils et filles du monde. Sans Jésus, notre vie tombe en ruine. Sans Jésus, notre vie est complètement désemparée. Sans Jésus, notre vie est complètement déboussolé. Sans Jésus, fils et fille du bon Dieu, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut, fils et fille du bon Dieu. Voilà pourquoi accrochons-nous à Jésus-Christ qui nous donne sa vie, fils et fille du bon Dieu, lui qui est venu relever chacun de nous. Oui, Judas est seul qui s'est condamné parce que le Seigneur ne veut pas condamner chacun de nous. Il veut nous relever, fils et fille du bon Dieu. L'Eucharistie aussi est un repas où Jésus nous offre la communion avec lui. Chaque messe est un geste que Jésus, en direction des pécheurs que nous sommes, pour autant que nous ne nous excluons pas nous-mêmes en refusant son amour. Oui, fais-nous découvrir, Seigneur, la signification symbolique du repas que tu offres aux hommes et aux femmes. Nous avons un Dieu qui aime les pécheurs et veut les sauver, veut te sauver, veut me sauver. Oui, Jésus met Judas devant sa responsabilité. Il met chacun de nous devant notre responsabilité.
Tout serait encore possible si Judas acceptait cette main que Jésus continue à lui tendre. Et Jésus continue à te tendre la main, toi qui résistes à la conversion, toi qui ne veux pas te convertir. Mais Jésus te tend la main, fils et fille du bon Dieu, ne te regarde pas en fonction de ton péché, parce que tu es un homme pécheur. Mais il te tend la main pour te relever, fils et fille du bon Dieu. Reçois cette main pour la gloire de Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos, du temps de la semaine sainte, en tout cas chacun de vous, merci Seigneur. Oh, 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 oh